départ de Boudéaki, le grand absent côté Konak, qui a fait le déplacement. On a dit qu'il serait porteur d'eau, on verra tout à l'heure s'il faut porter de l'eau, en tout cas ça passe. Plein axe, quelle percée, énorme. Oui, le crochet est laissé peut-être au bout de Chan Yamsen qui tire, qui va à la course, énorme. L'essai de Chan Yamsen qui perfore la défense du Loup à la 8ème minute. Alors au revoir sur cette mêlée, combinaison. Sur cette touche, pardon, cette combinaison, la transmission au cordeau entre Daly et Janssen qui prend à défaut la défense lyonnaise, trop facile de se faire transpercer de la sorte, on le voit, l'incertitude entre Paddy Jackson qui reste sur Daly et Thibaut Rogard qui est parti sur les extérieurs, le troisième centre prend l'intervalle et ensuite modèle de cadrage sur Abrahams, hein, il ne doit pas se faire croquer de la sorte et ensuite techniquement effectivement Laurent, le changement de position de ballon sur le bras extérieur le plus éloigné du défenseur. Vous le petit jeu au pied de Poilet bien anticipé et là ça va pas jouer au pied qui a de l'espace, accélération, un deuxième plaquage effacé qui a du champ maintenant, ça relaie, oh splendide. Est-ce qu'il va pouvoir y aller tout seul? Il n'aurait pas besoin. Le relais est derrière pour le premier parfait. Essai signé Payawa. Oh, il vient de très très loin cet essai. Ils ont perdu les ballons quand ils étaient dans les zones de marque. Lude, qu'il n'avait pas à ramoyer au pied. Et par contre, il a mis les cannes, les appuis. Inter, exter. Les appuis, de la vitesse et de la lucidité sur cette croisée. La défense était embarquée, il y avait du désordre et c'est parfait. Il faut oser jouer dans le désordre, surtout quand vous avez ces qualités-là. Avec le dernier petit pas de Loa. Ouais, pour amener un peu plus le défenseur sur l'extérieur. Et attention, il y a un peu d'espace, un peu de champ là encore une fois pour cette équipe. La belle passe. Encore une fois, de nouveau, attention, une situation avec un 2 contre 1. Et ça va aller au bout encore pour cette équipe. De basse, incroyable scénario, que se passe-t-il? Non, mais il y a un rapport psychologique hein, qui est en train de s'inverser. On laisse un petit peu trop de temps. Hein. Si là, c'est magnifique, hein, la passe à rebond, certes. De Oli Lawrence. Et là, on vient ensuite décaler. Ouh, attention, attention! Qui va trouver. Non! Pas la touche, il avait trouvé Kinghorn, Ramos. Ouais, Dupont. Dupont, sûr de sa force, sûr de sa vitesse. Qui va croiser avec Lebel. Lebel qui a encore du soutien intérieur. Avec l'essai de Roumat. Sûr de leur force, les Toulousains. Kinghorn, Malia qui récupère, qui écarte à Ramos. Et regardez le travail de Dupont. Sur les cannes, à l'extérieur, j'attire trois défenseurs. Je peux tourner les épaules vers la touche, hein. J'ouvre l'intervalle pour Mathis Lebel en croisé. Mathis Lebel qui arrive à délivrer cette passe. Alors regardez le cadrage débordement sur McCloskey. Il attire tout le monde et une fois qu'il a attiré tout le monde, il a ouvert la porte à Mathis Lebel qui part. Ce offload envoie Alexandre Roumain. Pour l'UBB, pour ce ballon non capté, le petit jeu au pied qui est pas mal hein, du côté de l'UBB. C'est pas mal ce que fait Jalibert, ça alterne beaucoup petit jeu et au pied et long jeu. Ou alors prise d'espace avec l'accélération de Jalibert qui peut transmettre, mais du coup ça revient vite. Mais il a du monde à côté, Moefala, ça peut peut-être aller au bout parce qu'il y a Damien Penaud pour un nouvel essai, le 4e. Il fallait un essai de Damien Penaud, mais ça vient. Et il valise. Tic-tac deux fois. Le coup des cannes derrière, Lucu avec Moefana solide pour tenir ce qu'il faut. Je redresse, il va chercher le dernier défenseur, Trexilina. C'est parfait, c'est parfait. Ce ballon récupéré sur la navette d'Alex Wood, bien exploité pour la largeur. Là, vous avez des joueurs derrière, là, quand ça tourne avant ça. C'est compliqué à défendre parce qu'ils peuvent vous prendre extérieur.